À l'heure de la rentrée dans les lycées en France, un nouveau couac de Claude Allègre provoque un tollé chez les enseignants. Le ministre de l'Éducation, qui a son franc-parler, vous le savez, estime que les profs devraient prendre sur leurs vacances le temps consacré à la formation professionnelle. Vous imaginez la suite, les syndicats affirment que Claude Allègre est allé un peu loin. Judith Soula, Joseph Tuala. Décidément, Claude Allègre aime les déclarations fracassantes. 8 jours après avoir dénoncé un absentéisme trop fréquent dans l'enseignement, le ministre de l'Éducation nationale s'est étonné lors des journées parlementaires du PS que des enseignants soient déjà en formation 8 jours après la rentrée scolaire. On a étendu à l'Éducation nationale les règles de la fonction publique. Mais les gens de la fonction publique, ils ont 1 mois de vacances. Les enseignants, ils ont 4 mois de vacances. Et ils prennent les congés formation en plus sur la scolarité. Réaction immédiate des parlementaires enseignants dans la salle, mais le ministre ne se laisse pas impressionner. Tu peux dire ce que tu veux, ce n'est pas sauver le service public que d'admettre de laisser des enfants 8 jours après la rentrée libres tout seuls parce que les enseignants s'en vont en formation. Pour les syndicats, cette fois-ci, Claude Allègre est allé trop loin. La remise en cause de la formation continue sur le temps de travail est inacceptable. On considère qu'il doit s'arrêter maintenant. C'est trop fort, les collègues sont très choqués dans les écoles de ce type de déclaration. Ça fait 2 fois que les enseignants sont directement agressés le jour de la rentrée scolaire. Ce qui pouvait apparaître comme un dérapage de la part du ministre semble être aujourd'hui une véritable orientation politique. Ségolène Royal a confirmé les propos de Claude Allègre, mais dans un style moins direct, moins provocateur. Bien sûr, je confirme et je suis complètement solidaire de ces déclarations parce que partout où nous pouvons améliorer le système scolaire, nous devons le faire. Je crois que les enseignants doivent être auprès des élèves lorsque les élèves sont dans les établissements scolaires. Quant aux fédérations de parents d'élèves, elles ne sont pas choquées par le franc-parler de Claude Allègre. Simplement, elles lui rappellent de ne pas négliger les vrais problèmes. Ce qui nous importe, nous, c'est qu'au-delà des déclarations, il y ait action engagée pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, et cela en faveur des jeunes. Claude Allègre a lancé un nouveau pavé dans la mare, mais dès lundi, le ministre devrait discuter avec les syndicats de la formation des enseignants.